Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je voudrais bien éventuellement le cadre pour roue de secours ou le pare-buts renforcé. Donc, enquête géologique ou problème de base. Alors, enquête géologique ou problème de base, qu'est-ce que c'est? Enquête géologique, j'ai loupé problème de base. Non, ils sont là et là. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Installer un premier télémètre. Installer un deuxième télémètre, un troisième télémètre. Ça va, c'est pas hyper loin du camp de base. Tu vas là, tu vas ici, tu vas là. Ok, ça c'est vite fait. Et problème de base, équipement abandonné. En raison de problèmes personnels. Cherche un ingénieur qui permet de réparer une foreuse ou quelqu'un pour la déployer. Bon, ok. Détail, c'est quoi? Mécanicien, rambarde. Ok, bon bah on verra. On va faire l'autre. On va faire l'autre, j'ai commencé de regarder l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Donc il me faut, hop, 3 télémètres. Pas d'ingénieur, rien visiblement, ça m'étonne. 3600 balles par buff renforcé. Ok, bah c'est parti. Nous effectuons des études pour mesurer les changements de terrain et l'érosion qui peuvent avoir des implications potentiellement dangereuses pour la faune locale. J'ai repéré plusieurs endroits où installer des télémètres, mais ils sont trop difficiles d'accès, c'est pourquoi nous vous avons contacté. Eh ben, ok. Alors reste la descente par contre qui va être un petit peu. Non, mais là on descend par là. On se barre par là, on se barre par là. Ah ouais, si, il y a quand même un petit peu de route. Hein. Quand même un petit peu de route. Donc partir depuis la base opérationnelle avancée. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? 3 télémètres, je crois que ça tient dans un scout. Hein. Il me semble que ça tient dans un scout. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Pour varier un peu les plaisirs. J'ai dit la côte co. Ah, la côte co, allez hop. Bon, par contre, toujours en orange, donc je sens que je vais la laisser comme ça. Alors, 3 télémètres. Télémètre. Télémètre. Télémac. Alors, j'ai quitté, merci. J'ai les bidons partout. La réparation. Ouais, bon, on a combien? 120 litres. Bon, on va partir comme ça. On va se prendre un petit deuxième véhicule au cas où. Allez, le Yar, cette fois, ça fait joli. Hop. On est parti. Alors, base opérationnelle, cette fois. Hop. C'est parti. C'était ça donc, je suis sûr. J'ai dit quoi? Enquête géologique. 3 télémètres, ouais. Alors, par contre, faites gaffe, le truc que ça vous dit pas, peut-être que ça le dit, j'ai pas vu que j'ai tout débloqué. Faudrait que les autres me le disent, mais je pense que c'est pareil, ils ont déjà trop avancé. C'est est-ce que ça indique les missions nécessaires à faire avant de débloquer le truc? Parce qu'en fait, c'est pas débloqué de base, hein. Il faut d'abord faire des trucs donc. Alors, je crois qu'il faut que je descende par là. On va dire ça comme ça. Donc un premier télémètre. Passer par là. Un deuxième télémètre. Un 3. Ah non, ça c'est les gués de la rivière. Un drop. Un drop. Ça tombe bien, j'aurais vidé un peu mon stock. Et le dernier. Et ben voilà, on a notre planning. C'est parti. La journée. Hop. Let's go. C'est parti. Alors je vous avais parlé de. Tant que j'y suis, bon, personne ne regardera cette vidéo après, c'est pas grave. Ceux qui attendent le petit Afim sur SnowRunner en mode de la part de Fonta, sachez qu'il est fini depuis longtemps. C'est les développeurs apparemment qui bloquent, je pense. Je sais pas s'ils bloquent volontairement ou pas, mais apparemment c'est toujours en certif. Et je pense que l'ami enthousiaste doit être au même point avec le Kotko. Donc j'ai l'impression que les développeurs font un peu la gueule que des gens ont réussi à porter les véhicules très facilement et gratuitement peut-être. Ou peut-être qu'ils avaient prévu de les sortir plus tard et puis de se faire mousser. Regardez, on vous a fait des véhicules gratuits. Ouais, mais je pense que... Ouais. Je pense qu'ils bloquent un peu moi. Je pense qu'ils bloquent. À confirmer, je veux pas non plus dire n'importe quoi, mais en tout cas ils ont l'air de mettre le temps. Hein. D'habitude, il y a des mods, hein, ils sont validés pour certains modeurs très très vite. Hein. Très très vite, alors qu'on n'en a pas envie. Hein. Mais ceux-là, par contre, les gens les attendent et... non, là, ils n'arrivent pas. Hein. Bon, bah, il va bien ce petit Kotko. Par la droite, peut-être. Oula, je suis allé un peu vite. Au bord. Hein. Alors je sais pas si je vais réussir à passer facile là-dessus. Oh si, ça va. Ça va. Oh, la côte elle est vraiment bien. Elle est vraiment plutôt douée. Hein. Alors évidemment, ça m'a pas validé mon point. Hein.
Voilà, merci. Bon, une fois que ça marche. Petit Tatra, il est bon, il est très très bon, Tatra 805. Très sympa. Vraiment, j'aime beaucoup. Avec son module, ça te permet vraiment d'être pas polyvalent, mais d'être autonome. Il est très très cool. Comparé à SnowRunner, où c'est vraiment de la merde. C'est de la merde, là, il est vraiment bon. Alors, il est limité, ça reste un scout ici. Comme Snow, en fait. Hein. Comme Snow, hein. Dans Snow, c'est un scout. Il a aucun intérêt à être dans Camon tout terrain. Il prend pas de rambarde, de rien. Je vois pas du tout l'intérêt. Tout comme le Sprinter, mais encore le Sprinter est un peu différent. Il est un peu plus gros. Alors, j'ai pas activé la mission. Enquête géologique, merci. Voilà. Hop. Bon, ça va, la mission devrait pas être trop longue. Je vais avoir le temps de la finir avant 19h parce que, ouais, 20 minutes ça devrait le faire. Oula. Alors, sauf si tu me fais de la merde, et alors là. Ah, t'arrives à te coincer? Sans déconner? D'accord. Alors, on va pas monter par là, de toute façon, on va plutôt aller à droite en fait. J'avais pas vu, je voulais pas trop m'approcher du truc jaune. Mais ça a pas l'air de valider des trucs dans l'expédition, contrairement à Snow, où tu passes sur des zones et puis c'est juste de l'exploration. Je me faisais une réflexion quand même. J'entends beaucoup de gens qui disent oh, expédition c'est nul, c'est que de l'exploration et tout ça. C'est pas intéressant, je préfère SnowRunner. Alors dans SnowRunner tu retrouves quoi? Tu retrouves l'exploration des cartes. Tu retrouves des scouts. Tu retrouves des dépannages. Tu retrouves des points de visite, des missions de visite. Et tu retrouves des points des zones de livraison où des fois t'as juste un petit truc à livrer. Donc en fait finalement il en est pas si loin que ça hein, ce expédition de SnowRunner. Donc il y en a qui critiquent le jeu, mais en fait faudrait qu'ils testent vraiment et qu'ils voient que c'est pas si éloigné d'un Snow, hein. Je sais pas ce que vous en pensez ceux qui l'ont. Mais en fait techniquement, autant au niveau du choix des véhicules, des types de cargaison, la grue, des choses comme ça. Enfin en même temps, ça me fait marrer, mais il y en a qui utilisent même pas la grue pour charger dans SnowRunner et ils l'utilisent que pour empiler des ressources, donc il y a un moment. En fait, c'est vraiment pour... ils aiment même pas SnowRunner pour moi en faisant ça, mais bon. Donc, finalement, tu retrouves beaucoup de SnowRunner dans ce expédition. C'est juste que c'est un peu mis sous une forme différente et forcément avec des dimensions différentes parce que tu lis vraiment des petits trucs. Enfin, il y a des fois, ça prendrait une rambarde entière. Hein, pour les espèces de foreuses, là, c'est énorme. Ça devrait prendre une rambarde entière, mais ils l'ont pas fait. Expédition Snow, lequel vous préférez ? Bah c'est compliqué, c'est... Je trouve que c'est même plus comparable, on peut même plus... J'arrive même plus moi à les différencier, à les comparer. Il y a des points qui sont tellement bons dans ce expédition comparé à Snow que j'ai beaucoup de mal à appuyer d'un point ferme, dire que Snow est meilleur. Oh bordel. Ça va, ça passe. J'arrive même plus honnêtement. Je sais pas ce que vous en pensez, j'adore Snow, j'adore celui-là. Enfin j'adore, j'aime beaucoup. Peut-être que c'est là où... SnowRunner, il y a peut-être plus en fait la lassitude qui impacte sur lequel tu préfères. SnowRunner, voilà, on commence à le connaître par cœur. Ça fait quand même 4 ans que je suis dessus, que je fais tout en long, en large et en travers, donc il y a peut-être ça qui joue aussi. J'avais la vitesse lente, c'était pas ce qu'il fallait faire. Télémètre. Hop. Ah oui. Il est où le soleil? Il est à ma droite. Ah c'est con, on va pas voir le... Hop. Photo, photo. Viens voir, ça passe ou pas dans le cadre? Ouais, ça passe pas mal. Je sais pas, c'est des petites réflexions que je me fais comme ça. Je réfléchis un petit peu tous les jours à mon avis sur ce expédition, à la vidéo que je vais tourner quand je l'aurai plus avancé, voire fini. Mon avis final, entre guillemets. C'est différent en même temps, ils sont pas si éloignés. Ouais, non, je pense pas. Hein. Merde, j'ai loupé un message. Si, dans Snow 805, il y a une rambarde d'une place. Mais pas du tout, Optimus. Non, non. Optimus, c'est peut-être grâce à un mode. Oui, c'est grâce à un mode. Hein. Donne-moi envie d'acheter Expédition. Ouais, je sais pas, je pense que j'ai fait beaucoup de choses. Hein, pour montrer Expédition. J'ai fait beaucoup dans les deux sens, c'est vrai, mais... Expédition, c'est les graphismes, la conduite, le plaisir de rouler, quoi.
C'est, tu te laisses perdre, tu vois, j'arrive même pas à lire vos messages parce que je suis concentré sur ma route, je regarde où est-ce que je mets les roues, tout ça. C'est vrai qu'une fois que t'as fait toutes tes expéditions, peut-être que le jeu commence à devenir un peu redondant parce que tu découvres plus les routes, quoi. Tu les connais déjà, t'as été un peu partout normalement. Puis en plus avec l'exploration libre, quand j'ai fait les améliorations, donc je commence vraiment à connaître un petit peu partout. Même s'il y a des endroits qui sont encore noirs, donc j'y suis pas allé, mais bon, c'est pas des trucs vitaux. Mais non, non, il est très cool cette expédition, vraiment. Non, c'est la rambarde du jeu, j'ai pas de mode actif qui influe sur les rambardes du jeu. Mais il n'y a pas de rambarde sur le 805, hein. Le 805, il prend juste une, son module de service et c'est tout. C'est pas lequel on peut préférer, ils sont tous les deux sympas, un peu différents. Ouais, non, mais c'est ça, hein. C'est ça. Et de toute façon, bah, ils ont en commun et en même temps pas tant que ça. Donc, comme je dis, il y a le fait aussi qu'on se lasse peut-être un peu de Snow sans être non plus complètement dégoûté. Mais voilà, Snow, on le connaît quoi. Il se renouvelle pas toujours tant que ça. Des fois, il fait un peu les choses à moitié, je trouve. Au niveau de certains trucs qu'il pourrait faire mieux que ça dans les phases qu'il amène, dans les véhicules qu'il amène en DLC. Bon, après, voilà, on a déjà un paquet de véhicules, mais. C'est vrai qu'on attend toujours un petit truc sympa, puis ils nous sortent des scouts à chaque phase en ce moment. Quand c'est pas deux pour la phase 11, ça commence à aller quoi. Même si le Bourlac est très cool. Perso, je trouve pas le jeu nul, mais j'ai Snow à finir, j'aurai pas le temps de jouer aux deux en même temps, et puis comme ça, quand je fais XP, je le prendrai à pas cher. Ouais, non, mais ça après, voilà, c'est sûr, hein. Là je comprends tout à fait cet avis. Hein. Là, cet avis-là, je l'entends tout à fait. Hein. Si vous venez de commencer Snow, c'est clair que vous avez un paquet de taf de fou. Hein. Alors c'est con, c'est que je suis un peu pas du bon côté que je voudrais pour faire ma capture. Hop, c'est pas grave, on verra mes traces de pneus, c'est pas grave. Oh mais merde. Allez, nice. Allez, marche arrière, merci. Je vais labourer toute la zone pour faire une photo à la con, sans déconner. Tout ça pour une miniature. Au pile dernier, je pense pas qu'on en fera. Là, on devrait être bien. Hop. Elle est chouette. On s'arrache. Et là, gros bug. Le Code-Co finit à l'eau. Oh, bah, c'est toujours possible. Hein. Après, j'ai mon deuxième véhicule, hein, de toute façon. Ouais, je vais vérifier ça. Bah, après, je commence à connaître le jeu. Si le 805 a une rambarde, quand même, vu la taille que ça fait sur lui. Déjà, sur l'Actaeon et le Warthog, c'est beaucoup trop gros pour eux, la rambarde. Alors là. Faut quand même avouer que les contrats étages sont plus cool. Tu te sens plus libre que les XP. Ouais, c'est peut-être ça. Peut-être que t'es moins guidé. Peut-être que. Je sais pas, mais je trouve aussi, je sais pas, il y a un truc qui ressort où tu te sens enfin libre. Peut-être parce que tu démarres pas avec une expédition déjà dans la poche en truc, je sais pas. Il y a un truc qui ressort, j'arrive pas à dire quoi. Je sais pas, c'est un peu le moment de la récré. C'est un peu ça, tu vois. Ça y est, ouf! Je peux faire ce que je veux, je peux me détendre un peu, je vais où je veux, je fais ce que je veux. Pourtant, les expéditions, tu fais ce que tu veux, hein, c'est ça qui est bizarre. Les expéditions, tu fais absolument ce que tu veux comme tu veux, mais je sais pas, il y a un truc qui ressort. D'accord avec toi. Je n'ai pas acheté expédition, j'attends la sortie de TDU. Ah bah t'es pas arrivé avec la sortie de TDU toi. Hein. Parce qu'il est toujours pas en point de vue de sortir le bout de son nez. Hein. En espérant que ce soit pas un désastre. Bon, je m'étais dit que avec The Crew Motorfest, TDU était mort avant de sortir. Finalement, bah, The Crew Motorfest, autant. Je dis pas qu'il est mauvais, hein, je vous ai fait un avis. Tu vas te décoincer de cette branche, merci. Mais The Crew Motorfest, comme je l'ai dit dans mon avis, il est pas pour moi. Faut y passer trop longtemps, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai déjà Snow, maintenant j'ai XP, c'est mort quoi. Mais il est pas mauvais, hein, mais le système de loot, de machin, de. Non, non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, et malgré qu'il y ait certains trucs qui soient très cool dans le jeu, j'ai pas le temps. Hop, un petit drop, ensuite il y en aura un deuxième juste à côté. Eh ben j'avais pas bien besoin d'essence moi. J'ai même pas cassé quoi que ce soit, mais le pare-choc arrière par contre je l'ai démonté. Façon puzzle. En plus je suis à 65% de snow, mais j'ai encore un mur à faire. Ah oui bah. Tu vas commencer SnowRunner quoi. Bonne chance. Je l'ai envoyé sur Discord. Non mais il n'y a pas de rambarde, attends mais. Il y a une rambarde sur 805. Il a cette merde là? Putain, mais je m'en rappelais même plus. Bah, excuse-moi.
Excuse-moi, t'as raison. TDU, c'est Tezra Unlimited. Le Solar Crown, le nouveau, le 3, entre guillemets. Excuse-moi. Franchement, là, j'avais une amnésie totale. Je sais même pas si mon fichier est bon. J'avais une amnésie totale que ce petit véhicule avait une rambarde. Faut dire, je m'en sers uniquement avec son module de service parce que je vois aucun intérêt autrement. Ok. Bah écoute, désolé. Vraiment désolé, je croyais vraiment que tu te plantais là. Putain, il a, bon, après, il a une rambarde. D'accord. Ça m'étonne que ce soit toi qui le saches, sachant que t'as pas de DLC. Mais d'accord, il a une rambarde. Mais pourquoi est-ce qu'ils lui ont mis ça? Bon, là c'est un peu la merde. On va essayer de passer peut-être sur le rocher là. Non, il veut pas. Faut que j'arrive à passer sur un endroit où c'est peut-être un peu plus. Ouais, un peu moins large que là. Ici par exemple. Aïe! Ouais, bah oui, bah ça. Ça, c'est sûr que ça casse. Je sais même pas si c'est par là qu'il faut que je passe. Évidemment que non. Évidemment que non, fallait descendre. Bon, c'est faisable partout de descendre, hein, mais. Il va peut-être moins aimer, quoi. Oh, ça va, ça passe. C'est exactement ça, c'est plus détente, tu pars libre et tu fais ce que tu as envie. J'ai fait le 1 et 2, alors Tesla Unity sur la Chrome, j'attends avec impatience. Ouais, mais je crois qu'il va être très décevant. Je crois qu'il n'y aura pas de moto. Alors au début, normalement, je crois que c'est les maisons qui devaient pas être là dès le début du lancement. Ça aurait été une grosse connerie pour moi. Le gameplay, je sais pas, bon, peut-être qu'il sera bien, hein, je sais pas. Il peut être super bien, malgré que ça soit pas un truc, un top du top au niveau gameplay et tout. Mais je sais pas, je suis un petit peu inquiet, mais je suis peut-être pas fermé, étant donné que The Crew, je pensais qu'il me tiendrait, et j'ai pas surkiffé, quoi. Exactement, il a la une. Il a la une place des deux petits. Ouais, bah, y a pas que qui l'ont, là, une place. Hein. Il a une rambarde 7, mais qui l'utilise? À mon avis, personne. Hein. Personne. Nous recevons actuellement les données, mais leur traitement prendra un certain temps. Pare-buff renforcé, 3600 balles, ok. Bon, je fais une photo ou pas? J'en ai déjà fait 3 là, ça va peut-être suffire. Hein. Je suis à contre-jour en plus, ouais. Ouais, laisse tomber. Bon, et ben on a ça. Et ben retour au QG. 2350 balles, j'ai quasiment doublé le revenu, c'est cool. On va aller custom vite fait le colis avec les deux trucs que j'ai trouvé, comme ça on pourra voir un petit peu que ça ressemble. Pas de quoi t'excuser, c'est vrai que ça peut être choquant. Non mais si, je m'excuse, j'étais en train d'appuyer un truc et je disais une connerie, donc si, si, je m'excuse. Hein. Si, si, c'est comme ça que ça marche. Hein. Je pensais vraiment que c'était toi qui racontais une connerie, et non. Je complètement effacé de mon esprit qu'il avait une rambarde d'une place. En plus, la verte dégueulasse, là, je l'aime pas du tout. Non, elle est pas colorable et tout, c'est une horreur. Donc, j'ai le schnorkel haut. Ah bah oui, mais non, j'ai que la cage de sécurité, j'ai pas le pare-choc, je crois. Ou alors, j'ai le pare-choc et pas la cage de sécurité. On vend. Divers. Ah si, j'ai le arceau de sécurité externe. Mais j'ai tout fait, déjà? Comment ça, j'ai tout fait? J'ai fait 3 trucs aujourd'hui? J'ai plus aucun souvenir de ce que j'ai fait déjà. Gratuit, réserve d'urgence grande, donc c'est bon. Et par buffle, on a le nouveau. Oh la vache! Ah oui, c'est le truc arrière que j'ai pas. Mais je sais même plus combien d'expéditions j'ai fait. J'ai fait Super Nakulum en carte technologique et j'ai fait Savoir Ancien. Si j'en ai fait 3. J'en ai fait 3. Ah, il est vraiment pas mal comme ça. Hein. Putain, et puis alors il lui faut le truc arrière là. La grille de toit, je l'ai déjà. Il lui faut le 4 pour roue de secours. Voilà, putain, il va commencer à devenir assez énervé le machin. Hein. Avec les roues de secours qu'ils vont y avoir dedans. Waouh, la vache. Ah, il va être badass. Hein. Ah, il va être méga badass. Hein. Ah, putain, ça me fait chier de devoir arrêter maintenant. J'aurais bien fait les trucs arrière. Et puis, lui mettre ça. Ah, putain, la vache, il va être stylé. Hein. Il va être fucking stylé. Il y a pas de... Si, il y a un truc à l'avant. Ah, on peut mettre une petite réserve à l'avant. Ouais, par contre, j'ai un peu envie de mettre un truc gris parce que rouge, c'est un peu dégueulasse. Qu'est-ce que j'ai sur le toit? J'en ai deux de répas. Ouais, ça fait toujours ça. Hein. Ça fait toujours ça. Et puis j'en ai ailleurs. J'ai quoi ailleurs? Deux bidons. Voilà, que du rouge sur le toit. Du gris à l'avant, du gris à l'arrière. Et dans les 4 pour roue de secours, on gagne un truc ou pas un emplacement? Non, juste roue de secours, ok.
Alors le pare-choc arrière aussi, il y a peut-être quelque chose, non? Pare-choc arrière comme ça. Ouais, comme ça, avec juste un truc. Je suis pas fan. Celui-là, c'est assez merdique, mais je pense qu'on va lui laisser. Putain, il va être sacrément badass comme ça, hein. Et bah, ça sera la prochaine étape. Ça sera la prochaine étape. Bon, par contre, ça fait un peu carnaval, hein, toutes les couleurs comme ça sur lui. Il y a celle-là, éventuellement, ça passe pas trop mal. Alors, les couleurs avec le additional paint job rendaient pas mal honneur avec plusieurs teintes de vert. Donc, ça faisait militaire, là, c'est pas fou. Mais c'est pas mal. Bon, bah, allez, on coupe la vidéo YouTube ici.